Je scanne, j'analyse et je montre. Sous votre épiderme, je rends visible l'invisible. Cet autre monde fait de chair, de sang, d'os, d'organes et de blessures profondes. Je vois quasiment tout. Peu de choses m'échappent. Des années que l'on m'emmène partout et nulle part. Des années que j'examine des corps brisés. Que j'assiste les médecins à trouver l'origine des maux et qu'ils essaient de les résoudre. Un homme, 26 ans, Port-au-Prince, Haïti. Une balle de pistolet reçue en plein torse. En sang, il n'arrive plus à bouger ses membres inférieurs. On le déshabille. On ne trouve pas le trou de sortie. On doit localiser la balle pour la retirer. J'interviens. Elle est là, logée entre deux vertèbres, presque incongrue à côté de ce pendentif que le personnel soignant a laissé dans la précipitation. Il est envoyé en soins intensifs. Un jeune Palestinien, blessé lors de la marche du retour. Une balle de l'armée israélienne a traversé son tibia. On voit l'étendue des dégâts. Deux centimètres d'os manquant. Sa jambe dépend de fixateurs externes pour ne pas s'effondrer, comme les échafaudages d'un bâtiment. Il faudra plusieurs mois pour que tout se résorbe et se répare. Le mal est parfois plus pernicieux et s'infiltre dans les fissures. Ce père de deux enfants au Kenya tousse douloureusement depuis deux semaines. Le diagnostic tombe. La tuberculose a fait son nid dans ses poumons. Le gauche est déjà abîmé. Il lui faudra au moins un an de traitement lourd, peut-être même davantage. J'ai vu tant d'images douloureuses, comme des témoignages de vies abîmées. Et j'en verrai sans doute encore. Mais je continuerai malgré tout mon travail. Scanner, analyser et montrer.